Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Father, we pray. Father God, we pray. Father God, we pray. Ça veut dire simplement, Seigneur, nous prions. Oh God, we pray. We want more of you. Nous voulons plus de toi. Nous voulons être consacrés. Nous voulons te sanctifier. Que tu sois reconnu comme Dieu. Seigneur, embrasse-nous. Seigneur, saisis-nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, enivre-nous. Seigneur, touche-nous. Seigneur, amène-nous. Seigneur, circoncis nos cœurs. Disons, nous prions que tu aies compassion. Nous prions que tu ramènes nos cœurs. Nous prions que tu circoncises nos cœurs. Nous prions que tu nous consacres. Accorde-nous de te connaître. Accorde-nous de te vivre. Pardonne nos manquements. Pardonne nos fautes cachées. Pardonne nos transgressions. Pardonne nos iniquités. Père, pardonne nos mensonges. Pardonne notre légèreté. Pardonne nos voies détournées. Pardonne la superficialité. Nous te prions, toi, le Père. Nous prions que tu réveilles l'Église. Nous prions que tu bâtisses l'Église. Que ce ne soit plus les pasteurs qui bâtissent. Que ce ne soit plus les conseils humains qui bâtissent. Que ce soit le seul Saint-Esprit. Que tu sois la tête de ton Église. Que tu sois le commencement. Nous prions que tu sois la fin. Nous prions que tu sois notre rocher. Que tu sois notre fondement. Que tu sois notre bâtisseur. Ô Père, nous prions. Père, entends nos soupirs. Consacre-nous, adorateur véritable. Oh, nous t'implorons, délivre-nous de l'impuissance, délivre l'Église de l'insignifiance, délivre l'Église de la religiosité, délivre-nous du banal, délivre-nous de l'ordinaire, délivre-nous de là où rien ne se passe. Tu as dit que ton Père agit, toi aussi tu agis. Le Père travaille, toi aussi tu travailles. Alors travaille à l'intérieur de nous. Ô Père, nous prions. Ô Père, Père, nous te supplions. Libro soukada de la boca de nos sacas. Libro soukada mambre que de nos. Ô Père, ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas où nous sommes. Accorde-nous de te connaître, Père. Accorde-nous de te vivre. Accorde-nous d'être fortifiés. Accorde-nous d'être renforcés. Accorde-nous d'être divinement portés. D'être divinement assisté. Ô Père, la mabrosso, allez vos brosso, les bosses. L'île mabrocosso, télé les bosses. Ô Père, nous prions.
Nous te supplions. Mandele de mosso cala da mosso. Nicara de mosso, mandele. Élève la voix, demande à Dieu, ne laisse pas ma vie comme elle est. Emmène-moi à la dimension où tu dois m'emmener. Élevons la voix tous ensemble. Élève la voix. Mandale de mosso cala da mosso, élève ma. Nicara de mosso, babare que te le da mosso. Libroso le da mambroso, batele de mosso. L'imamroso katele da mambro kota, élève la voix, l'imamroso katele de mambro kota le de mambos. Ah, nous t'implorons, nous te supplions, accomplis une œuvre grande dans ma vie, accomplis une œuvre profonde et consistante dans ma vie. Accomplis une œuvre merveilleuse. Oh, je te prie, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une chanson. Oh Père, c'est une supplication qui monte d'un véritable adorateur. Accomplis une œuvre grande. Oh, je suis désireux, nous sommes désireux, nous sommes candidats. Accomplis une œuvre profonde dans nos vies, dans ma vie. Seigneur, accomplis, Père, accomplis une œuvre. Accompli. Tâchez l'œuvre de Dieu. Sorte de ce vase. Tu as dit dans ta parole, car nous sommes ton ouvrage. Accompli une œuvre grande. Dans ma vie, ma brûlure et ma brûlure. Dans ma vie, dans ma vie, oh Père, elle doit d'abord être accomplie dans mon homme intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Elle doit d'abord concerner ton homme intérieur. Avant de concerner tes finances, avant de concerner ton mariage, avant de concerner ton travail, cette œuvre doit d'abord concerner le nouvel homme. L'homme intérieur doit d'abord être bâti, rendu semblable à Christ, imitateur de Dieu, rempli d'Esprit Saint et de puissance. Il faut d'abord que l'homme intérieur soit construit avant que la vie extérieure ne soit construite. Alors accomplis. Je ne suis pas en train de te prier pour mon foyer. Je suis d'abord en train de commencer par moi. Parce que si l'intérieur est changé, mon foyer sera changé. Si mon intérieur est changé, mes études seront changées. Si mon intérieur est changé, mon travail sera changé. Voilà pourquoi je te prie. Accompli, oh Père. Je précise cela, afin que tu ne demandes pas l'argent, afin que tu ne demandes pas le mariage, mais que tu demandes que Christ soit pleinement formé. Tu demandes la conformité à lui. Tu demandes lui d'abord. Tu demandes qu'il se déverse en toi. Tu demandes que l'homme intérieur soit bâti, soit solide. Parce que c'est l'homme intérieur qui fait face aux défis de la vie. La Bible dit, l'esprit de l'homme dans la maladie le fortifie, le soutient. Mais un esprit abattu, qui relèvera cet homme? Lorsque l'esprit est solide, le corps tiendra, l'âme tiendra, la destinée s'écrira. Mais si l'esprit est bas, écrasé, oppressé, à terre, étouffé, rien de bon ne sortira. Les fleuves d'eau vive sont à l'intérieur de toi, dans ton esprit. C'est là que tu as tout emmagasiné.
Alors tu élèves la voix et tu pries pour l'homme intérieur d'abord. Ne prie pas pour autre chose que l'homme intérieur. Il faut qu'il soit musclé. Il faut qu'il te reflète. Il faut qu'il te ressemble. Il faut qu'il te rayonne. Il faut qu'il t'exprime. Il faut que tu sois vu dans mon homme intérieur. Tu es toute la place. Il faut que tu sois vu et que tu rayonnes. Et que tu m'irradies. Irradiation de l'intérieur. Accompli. Commence par l'intérieur. Dans ma vie, ô Père. Commence par l'intérieur. Commence par le cœur. Commence par l'homme intérieur. Commence par l'âme. Commence par ce que l'on ne voit pas. Commence par la révélation. Commence par la connaissance. Commence par la conscience de Christ. Commence par l'identité. Je te prie. Accompli. Accompli. D'où vient de l'intérieur? C'est à l'intérieur que se trouve Christ. Et vous avez tout pleinement. Tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout est à l'intérieur en Christ. Le Saint-Esprit en moi. Accompli. Père accompli. En ma vie accompli. 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 Une œuvre dans ma vie accompli. Une œuvre profonde dans ma vie au Père. Ah non, nous t'implorons, nous nous abandonnons. C'est un cri du cœur, c'est une supplication dans cet homme intérieur accompli. Qu'un chef-d'œuvre soit constaté. Qu'un épios devienne ios. Qu'un simple croyant, hier idolâtre, devienne un véritable adorateur. Implorons, fais-le. Ô Christ, fais-le. Sois formé. Père, fais-le à la puissance de ton esprit qui agit. Bâtis cette église. Cette église dans cette époque, rayonnante, victorieuse, glorieuse, sainte, pure, irréprochable, conquérante, triomphante, resplendissante, brillante comme le soleil. Bâtis cette église qui règne, qui influence sa génération, qui éclaire le monde, qui impacte la terre. Cette église qui sert de plateforme d'arrimage à la gloire de Dieu. Bâtis cette église où toutes les maladies sont guéries, où tous les démons sont chassés, où tous les jougs sont détruits, où tous les fardeaux sont ôtés. Accomplis cette œuvre. Où tous les membres du corps sont consacrés, sont sanctifiés. Où tous les bébés grandissent et mûrissent. Et deviennent des fils à bâtir cette église. Une église unie, une église solidaire, une église soudée, une église humble, une église puissante, une église audacieuse, une église de foi, une église de victoire, une église inarrêtable, une église inébranlable, une église imbattable, une église instoppable, une église qui est un autel puissant et qui parle sur les nations. Une église où on n'a pas le choix quand on vient. La gloire de Dieu convainc les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Une église où le Saint-Esprit est le Seigneur. Pas une église des pasteurs et des conseils et des théologiens, mais l'église de Christ, des disciples de Jésus, des propagateurs, des imitateurs, des suiveurs de Jésus. Accomplis cette œuvre, bâtis cette église rayonnante, triomphante, resplendissante.
consacré, mature, solide, rempli de la parole, saturé par la parole, qui marche par la parole, commandé par la parole, sensible à l'esprit, soumise à l'esprit, obéissante au Saint-Esprit, une église où dans laquelle le Seigneur, c'est l'esprit, et là où se trouve l'esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Il n'y a plus de prisonniers. Il n'y a plus de captifs, des otages de la chair du monde. Une église qui révèle Jésus sur la terre a accompli cette œuvre. Les prophètes, nous t'implorons. Nous t'implorons. Bâtis cette église. Accompli. Une église qui s'assemble et se rassemble pour honorer et adorer le roi. Une église qui ne se satisfait pas d'être massive et nombreuse, mais une église de guerriers. Une église avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de guerriers, de véritables adorateurs, disséminés sur toute la terre. Ah, Makata, Brosso, Kata, bâtis cette église. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Nous te prions. Bâtis cette église, nous te prions. Bâtis cette église, nous te prions. Bâtis cette église, nous te prions. Bâtis cette église. Je ne sais pas pour toi, mais moi aller à l'église de dimanche, pour aller à l'église de dimanche, je ne me sens plus satisfait. J'en ai assez de voir les ténèbres envelopper la terre, les familles. J'en ai assez, j'ai soif que Dieu atterrisse à travers un peuple, à travers des personnes, et que Dieu montre qui il est, et que l'équation soit visible, et que le monde ne pose plus de questions, à savoir mais où est donc leur Dieu. Parce que soudainement, le Dieu dont on a demandé où est-il, soudainement apparaît à travers une personne, à travers un peuple, à travers une église, une congrégation, une famille. Apparaît. Une église où on ne se contente pas de faire du dimanche, le Seigneur, de faire du chant des believers, être des croyants du dimanche. Non, une église où tu réveilles une armée. L'église ne se contente pas de liturgie et de cérémonie. Non, une église où le Saint-Esprit est le maître, où le Saint-Esprit agit, travaille, le Père travaille, le Fils travaille, aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, où on voit encore ta manifestation, miracle, signe, prodige, au quotidien, dans les vies, de lundi à dimanche, du lundi au lundi, tu visites, tu guéris, tu impactes, tu transformes, tu te révèles, tu combats et tu attires. Nous t'implorons. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Libro cate le rebosso le reba. Requete mabrosso que te mababrosa. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Soupir et invoque. Il a dit demandez, vous recevrez. Église, il est temps d'arrêter de demander le moi, mon, mais, ma, mon mariage, mon travail, mon enfant. Il est temps de commencer à demander à Dieu de bâtir et de rebâtir et de reconfigurer l'église, l'armée, son peuple. Et quand tu feras ça, en réalité, tu prieras pour tes besoins. Mais tu dois demander à Dieu de bâtir. Voilà pourquoi il a dit, quand vous priez, ne dis pas mon Père, dis notre Père. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de nous. Et c'est un peuple qui doit bâtir. Bâtis! Bâtis! Cette église qui en finit avec la légèreté, la superficialité, bâtit cette église. Dont tu es la tête, dans laquelle tu es vu, tu es constaté. Tu es constaté. On ne voit pas le vent. Mais on peut constater qu'il est là. On n'a pas besoin de te voir avec la chair. Mais toute chair
verra tes effets et saura que tu es là. À travers les guérisons, les miracles, les signes, les prodiges, les démonstrations d'esprit et de puissance, bâtis cette église. Nous t'implorons. C'est la soif de notre cœur, de nos cœurs, le soupir de nos âmes. C'est que tu ne viennes pas le pas. Merci d'entendre. Merci de répondre par le feu de la sainteté. Merci. Au-delà de ce que nos bouches peuvent exprimer, Père, nous t'implorons et nous te supplions. Bâtis ton église. Peu importe à quoi l'église ressemblait lorsque nous nous sommes convertis, si elle ne donnait pas envie hier, qu'elle donne envie aujourd'hui au nom de Jésus. Si elle ne brillait pas hier parce qu'elle n'avait pas décidé de se lever, que l'église d'aujourd'hui décide, se lève et fasse plus peace. Et bâtis cette église de véritables adorateurs. Nous te supplions. Esprit de Jésus, nous t'implorons, nous t'invitons. Tu es la source de notre force, notre capacité. C'est toi qui renouvelles nos forces. C'est toi qui rajeunis comme l'aigle. C'est toi qui ne regardes pas aux forces que nous avons dépensées précédemment, mais qui est capable de nous revigorer. Esprit de Jésus, c'est toi qui bâtis. Prends ça. Ramène. Délivre-nous de la légèreté. Délivre-nous de la superficialité. Esprit de Jésus, bâtis cette église qui fera la différence dans cette époque, dans ces territoires dont on a dit que ce sont des cimetières d'église. Bâtis cette église qui ne peut pas être enterrée dans les cimetières, parce que les églises enterrées n'étaient pas l'église de Christ. Bâtis ton église, celle qu'on ne peut pas enterrer. On ne peut pas étouffer, on ne peut pas cadenasser, on ne peut pas bloquer. Parce que le Saint-Esprit en est le maître et que la puissance de résurrection agit dans et à travers cette église. Et en priant ainsi, je ne suis pas en train de prier pour les quatre murs. Je suis en train de prier pour un peuple. L'église du Dieu vivant, la colonne de la vérité. Merci. Parce que tu bâtis cette église. Il y a au moins 10 personnes qui font partie de cette église ici. Voilà pourquoi ils expriment cette gratitude envers toi. Voilà pourquoi ils sont d'accord avec cette prière. Les autres, je ne sais pas. Mais il y a un bon nombre ici qui fait partie de cette église. Bâtis. Alléluia, acclamons. Nos âmes soupirent au plus de toi. Délivre-nous des traditions humaines, des rituels humains, religieux. Bâtis cette église. Cette église, dans la création, attend de voir la manifestation. Elle entend les dénominations, elle entend parler des églises, mais nous ne parlons pas de ça. Nous disons cette église-là dont tu parles dans ta parole. Consacrée, puissante, glorieuse. Cette église qui te rend visible, bâtis-la. Pas cette église où on va les dimanches. Non, non, ça c'est la religion. Cette église où on te voit tous les jours.
Alléluia. T'implorons, te supplions, bâtis l'église. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen, amen, amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Shalala babros. Ibrosalou babros. Alléluia. Avant que tu ne t'assieds, je veux d'abord dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour. Et d'abord, je veux encourager toutes les personnes qui sont sur tout le site, exprimer notre solidarité. On est ensemble. Et ne laissez pas l'environnement dans lequel vous êtes influencer votre manière de recevoir la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Père dans un auditorium. Ils adoreront le Père en esprit, en vérité. Dehors, tu peux être connecté à Dieu et recevoir la visitation de Dieu plus que quelqu'un qui est ici dans la salle ou dans les autres salles. Ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de liaison et de cœur. Je n'ai pas entendu. Bienvenue à Famille Impact Centre Chrétien. Vous qui êtes avec nous en communion chaque dimanche sur Internet, nous sommes contents d'être avec vous en communion, en connexion. Et nous savons que vous êtes plus nombreux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais nous demandons quand même que vous veniez à l'intérieur aussi. Et je tiens à dire aussi, il y a des places au premier culte et au troisième culte. Saturant tous les cultes au nom de Jésus. Il n'y a rien de mieux que le live. On bénit Dieu pour la possibilité d'être une plateforme. Et la vérité, c'est qu'il y a tellement de monde qui sont connectés de toutes les quatre coins du globe, le peuple francophone. Bientôt, les anglophones, on l'a dit, seront aussi connectés parce qu'ils pourront écouter. Amen. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous ne prenons rien comme acquis. Et nous célébrons le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, pour son œuvre merveilleuse au milieu de nous. Et quand je pense que ce n'est que le commencement. Moi, je ne sais pas si toi, tu as fini déjà. Nous, on ne fait que commencer l'Église. Je ne sais pas ce que j'ai fait les années précédentes, mais au fil des années, la soif augmente, la ferveur augmente, la hardiesse augmente, la détermination augmente, l'esprit de conquête augmente. On ne fait que commencer. Et nous allons de gloire en gloire. Voilà pourquoi je tiens à rendre grâce à Dieu. Nous tenons à rendre grâce à Dieu pour notre semaine de rentrée spirituelle, la semaine magnifique qu'on a eue. C'était une... Je ne sais pas qui était là vendredi, mais en tout cas pas qui était là, mais qui était connecté. Qui était connecté, parce que mon gars, il fallait être connecté. C'était simplement extraordinaire. Il fallait être connecté. Si tu étais là, dis amen. Wow, j'étais impressionné le vendredi parce que avant de commencer la prière, je me sentais tellement vide. C'est impressionnant. J'ai dit au Saint-Esprit, est-ce qu'il est possible d'arriver à un stade où je sais à l'avance tout ce que tu vas faire, je suis à l'aise, je maîtrise, je gère, je fonctionne comme on dit dans certains pays. Ah ben non, la vérité c'est que chaque jour c'est une dépendance de tous les instants. Et vendredi je suis arrivé, je ne savais même pas comment on allait prier. J'ai dit Seigneur, moi tu m'as mis à cœur d'invoquer, d'inviter les élèves, les écoliers, les étudiants. Mais qu'est-ce qu'on va faire, je n'en sais rien. Et j'avais aucune réponse, c'était le silence total. On va prier comment, silence total. Je ne sais même pas de quoi on va prier, comment on va prier. Je n'en sais rien, mais vraiment rien. J'ai dit Saint-Esprit, aie pitié de nous Seigneur, aie pitié. Et dans mon bureau, avant de descendre, j'entends seulement « Nous élevons les mains vers toi. » J'ai dit, mais alors, je me suis dit, mais ok, ça c'est bien, mais est-ce que nous élevons... Ok, on va commencer avec ça, parce que je commence toujours avec ce que j'entends, je répète, je n'invente pas, je répète. Alors j'ai dit, mais Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Et je me suis rendu compte qu'avec ce chant, on a quasiment fait une heure et demie à deux heures. Je me suis dit, wow, 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 wow. Le Saint-Esprit est trop fort. Vraiment, je vais acclamer la présence de Dieu et rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. We give you glory, we give you praise. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les élèves, les écoliers, les étudiants que nous avons recommandés à la grâce de Dieu. La main du Seigneur est sur vous, l'excellence est sur vous, la lumière est sur vous, la splendeur est sur vous, l'éclat est sur vous, la clarté. Vous allez exceller, briller et être des témoignages, pas seulement au niveau scolaire, au niveau académique, au niveau intelligence, au niveau caractère.
au niveau maturité, lucidité, invention, ingéniosité, créativité, spontanéité, rapidité. Là où les autres grattent la tête, toi tu as reçu du Saint-Esprit la révélation des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit te révèle les sujets, les matières. Et ce que le prof n'arrive pas à expliquer, c'est toi qui expliqueras au professeur. Il te dira, mais vous avez eu ça, comment vous connaissez cette chose à votre âge? Tu diras, elle a été téléchargée d'en haut. Je ne suis pas en train de t'encourager, je suis en train de prophétiser. La sagesse divine va te faire faire la différence à l'école. Elle est au-dessus de la sagesse des hommes. Cette sagesse que le Saint-Esprit fait reposer sur moi. Parfois, je suis surpris des choses qui sortent de ma bouche. En entretien, je dis des choses, je dis, waouh, est-ce que j'ai enregistré ce que j'ai dit? Cette sagesse vient sur toi au nom de Jésus. Tu vas accélérer. Quand tu vas parler, les gens vont dire, waouh, vous avez quel âge? 22 ans. Je pensais, tu as la sagesse de quelqu'un. Même 52 ans, on n'a pas cette sagesse-là. Tu dirais, elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Si tu le crois, dis amen. Voilà. En avant de t'asseoir, dis à ton voisin, je te vois resplendir au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, tu peux acclamer le Seigneur dans toutes les salles, dans tous les sites. On acclame, on acclame, on acclame. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Là, j'ai entendu. Dis encore amen. Amen. Voilà, il faut qu'on t'entende. Il faut que dans les salles annexes, ils entendent que ceux qui sont dans l'auditorium respectent l'auditorium. Il ne faut pas qu'ils crient plus fort que toi et moi ici. Amen. Nous sommes toujours dans le prolongement de notre enseignement sur le mystère des autels. En réalité, nous sommes en train de voir les particularités des destructeurs d'hôtels. Dis à quelqu'un, devient un destructeur d'hôtels. Et nous avons dit, nous sommes en train de parler nous avons commencé à parler encore, nous sommes revenus sur l'importance, pourquoi il est important, indispensable, capital, vital, nécessaire, de ne pas juste être un croyant né de nouveau, un Sunday believer qui va à l'église le dimanche, mais il est important d'entrer dans la dimension, non plus de simples croyants, mais de véritables adorateurs. Et aujourd'hui, je vais continuer avec cela, et le titre de mon message, ça sera, mais au fait, qu'est-ce que la véritable adoration? Qu'est-ce que la véritable adoration? Parce qu'il faut que Dieu nous délivre de l'ignorance et des idées préconçues concernant ce mot adoration. Il faut que le Seigneur nous délivre et nous emmène dans l'expérimentation de la véritable adoration. Pourquoi est-ce indispensable de devenir un véritable adorateur? Parce que la particularité des véritables adorateurs, c'est que ce sont ceux qui pratiquent la véritable adoration. 3, 4, 5. Amen. Amen. Merci. Dis encore amen. Amen. Je ne vois pas pourquoi moi je crierais et toi tu serais cool en train de mâcher ton chewing-gum. Non. La prédication, ce n'est pas ça, c'est la religion. La prédication véritable, ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui se bat, transpire, crie et tout le monde est là assis. Non, non, non. La prédication véritable, c'est le prédicateur prêche, le peuple répond et il y a interaction et le Saint-Esprit se déploie parce que la parole libérée est reçue. Avec moi, véritable adorateur. Nous avons dit, Église, que les véritables adorateurs sont les seuls qui triomphent de la coalition tripartite composée de la chair, du monde et des démons, du diable. C'est une coalition. Les véritables adorateurs sont les seuls capables de triompher de cette coalition tripartite dans la mission ultime et d'empêcher
à tout prix de rendre Dieu visible sur la terre. C'est le but numéro un de Satan, tout faire pour que Dieu ne devienne pas visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous ai dit, à propos du véritable adorateur, dis encore avec moi un véritable adorateur. Je vous ai dit qu'un véritable adorateur, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de lutte, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de combat, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas combattu par sa chair, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas une histoire compliquée avec des autels qui parlent contre lui. Non, et c'est pas ça. Un véritable adorateur connaît les mêmes défis que n'importe quel croyant. La seule différence, c'est que les défis, les batailles que tu vois aujourd'hui, demain, tu ne les verras plus. Un véritable adorateur ne peut pas être vaincu par un péché. Je te dis, c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il va pas lutter. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de lutte. Mais ces luttes que tu vois aujourd'hui, reviens demain, tu ne les trouveras plus. Parce que le véritable adorateur aura triomphé. Pourquoi? Parce qu'à cause de ses dispositions de cœur, Dieu agrée son cœur et Dieu déploie l'étendue de sa grâce pour le rendre capable de triompher de ce qui voulait le retenir, le lier et le bloquer. Dis avec moi, un véritable adorateur. Un véritable adorateur ne peut pas être enchaîné pendant longtemps. Il finira toujours par glorifier Dieu parce que son cœur est entièrement dévolu, attaché à Dieu. Il n'est pas parfait, mais il aime Dieu et il démontre son amour. On va voir ça plus tard, peut-être la semaine prochaine. Mais un véritable adorateur ne peut pas être lié. Je te vois complètement libéré de tout ce qui voulait te lier. Quelqu'un dit encore Amen. Voilà pourquoi je t'en supplie, mon frère, ma sœur, décide d'abord. Parce que parfois, moi, j'ai un langage cru que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je suis trop sévère. Oui, c'est vrai que je suis sévère. Mais il faut être sévère parce que Dieu est sévère. Dieu est bon et sévère. Considérez donc la bonté, la sévérité de Dieu. Dieu est exigeant, rigoureux, sérieux. Dieu est sérieux. Dis Amen. Voilà pourquoi je te supplie de comprendre l'importance de devenir un véritable adorateur. Et le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il faut d'abord, avant même de chercher la délivrance, plein de gens, je veux la délivrance, délivrez-moi, j'ai les démons. Maman, on sait, mon frère, on sait. On va s'occuper de ta délivrance, il n'y a pas de problème. Mais avant de s'occuper de ta délivrance, on veut d'abord t'emmener à être un véritable adorateur. Parce qu'un véritable adorateur a vaincu sa chair. Parce que tu n'as pas vaincu ta chair, il ne faut pas courir pour chasser les démons. Je ne le dirai jamais assez. Il faut d'abord que tu deviennes un véritable adorateur. Cherche d'abord à devenir un véritable adorateur avant la délivrance. Parce que si on te libère des démons, si on te libère d'une maladie, alors que tu n'es pas encore un véritable adorateur, qu'est-ce que tu vas faire quand le diable viendra rôder autour de toi et t'oppresser de nouveau avec les mêmes pensées d'hier? Qu'est-ce que tu feras s'il est sorti, mais que tu ne sais pas le garder dehors? Parce que quand il vient essayer de t'envelopper, tu brandis l'épée. Chou, 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 dégage. Si tu n'as pas appris à faire ça. Voilà pourquoi le psalmiste dit, il exerce mes mains au combat. Ce sont les véritables adorateurs qui brandissent l'épée pour combattre. Les autres ne veulent pas combattre. Ils veulent seulement que tout soit simple, facile. Dès qu'on dit « sors l'épée », ils disent « j'y arrive pas, je ne me sens pas capable ». Mais c'est parce que tu n'as pas encore atteint la dimension des véritables adorateurs. Les véritables adorateurs sont fortifiés par le Saint-Esprit et ils ne se laissent mettre esclaves par personne à l'exception du Saint-Esprit. Si tu savais le nombre de personnes qui ont été guéries, de qui on a chassé des démons. Et je l'ai écouté de tellement de prédicateurs, de pasteurs. D'ailleurs, voilà ce qui a poussé certains pasteurs, même comme le pasteur Christ à Kilomé, à faire une école de guérison. Et j'ai vu ça, j'ai écouté tout le monde en parler. Le nombre de personnes qu'ils ont vues, pour qui ils ont prié, qui ont été guéris, des démons ont été chassés. Et peu de temps après, les démons sont revenus, les maladies sont revenues. Pourquoi? Parce qu'on a chassé les démons, mais on n'a pas dit aux gens comment faire pour garder les démons dehors. Parce qu'on leur a pas appris à protéger les pensées. On ne leur a pas appris à crucifier cette chair avec ses passions et ses désirs. On ne leur a pas appris à fermer les portes, les accès. Et comme par hasard, c'est toujours les médias païens inconvertis, athées, qui se délectent de ce genre d'histoire et qui vont maintenant prendre les caméras, zoomer sur les gens. Mais il paraît que vous avez annoncé publiquement, vous avez été guéri à la télévision. Ils disent oui. Mais alors, comment ça va? Ben, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je n'avais pas été guéri. Et donc maintenant, on met en cause les paroles et les prédications, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, et même les témoignages apportés par ces prédicateurs qui sont maintenant mis en défaut parce qu'en fait, des gens ont reçu, mais ils ont fini par perdre. Mais tu ne perdras pas au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu ne perdras pas au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand on te dit, écoute, arrête de... Ça bouge encore à l'intérieur. Calme-toi.
deviens d'abord un véritable adorateur. Chauffe ton autel. Tu sais, il y a une dimension de feu où les démons ne supportent plus eux-mêmes de rester. Oh! Je répète. Tu as vu la gloire qui est descendue dans le temple de Salomon? Tu as vu la gloire qui est descendue? Il y a une dimension de puissance et de gloire. Quand elle vient, qui va rester là? Cherche ça! Une dimension de feu. Quand elle vient, même les petits démons qui restaient, seulement que tu te rends compte, ils disaient, ça brûle, je m'en vais. Moi, j'ai déjà vu ça. Tu vois la personne, le Saint-Esprit est là, tu entends quelqu'un qui est en train de dire, je m'en vais, je ne peux plus. On n'est même pas en train de parler. Je n'en peux plus, je pars. Il dit ça. Ça veut dire que le feu est trop intense. Oh, le feu dépend du sacrifice. S'il est agréé ou s'il n'est pas agréé. Donc, arrête de courir. Ah non, reste calme. Accepte d'abord d'être enseigné, instruit sur comment on devient un véritable adorateur. Le démon qui t'a oppressé, tu ne le verras plus au nom de Jésus. Donc, Église, il est important pour nous de comprendre que Satan fait tout pour que Dieu ne devienne pas visible sur la terre. Dieu est présent sur la terre, il est esprit. Mais Satan fait tout pour que Dieu n'apparaisse pas à travers une personne, à travers un peuple. Parce que quand Dieu apparaît, Dieu va manifester sa volonté sur la terre, exactement comme elle est faite au ciel. Quand Dieu devient manifeste, il va commencer à travailler. Donc Satan ne peut pas que Dieu travaille. Parce que quand Dieu apparaît et qu'il travaille, la conséquence de ça, c'est qu'il détruit les jougs, il ôte les fardeaux, il va de lieu en lieu, il fait le bien et il libère tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. C'est ça qu'il fait. Il guérit les cœurs brisés. Donc Satan, il détruit les jougs, il ôte les fardeaux. Satan fait tout pour que Dieu n'apparaisse pas à travers toi, à travers moi. C'est ça qu'il redoute le plus. Satan ne redoute pas la religion. Il ne redoute pas la multiplication des églises. Il ne redoute pas les pasteurs. Il ne redoute pas la prolifération des pasteurs. Non, il faut comprendre. Satan n'est pas effrayé parce qu'il y a de plus en plus. Il y a des pays, comme au Nigeria, il y a des pays où tu as une église toutes les deux maisons. Mais est-ce que ça empêche beaucoup Aram de faire ce qu'il veut? Non! Satan ne craint pas la multiplication des églises. Il ne craint pas la multiplication des chrétiens. Il ne craint pas la multiplication des leaders. Il ne craint pas ça. Satan craint une chose, c'est la manifestation des fils de Dieu, des véritables adorateurs. C'est-à-dire, les fils, les véritables adorateurs, ce sont ceux qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont crucifié la chair, qui ont vaincu le monde, qui se sont livrés, abandonnés totalement, comme Jésus. Ils se sont livrés à Dieu et Dieu est capable de se déployer à travers eux. Satan ne redoute pas les pasteurs nombreux, il redoute les adorateurs, véritables. Il redoute la manifestation des véritables adorateurs. Quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce que ce sont les véritables adorateurs, les fils, pas les enfants de Dieu, ceux qui sont devenus matures, consistants, solides, comme Jésus. Dis avec moi les fils. Dis avec moi les véritables adorateurs. C'est parce que les véritables adorateurs sont les seuls qui triomphent que la création les attend. Romains 8, verset 19 nous dit quoi? La création attend avec un ardent désir. Apokaradokia, la création attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs. La création n'attend pas cela. La création attend la manifestation des fils. Pourquoi elle attend les fils? Parce que ce sont les fils qui solutionnent les problèmes de la terre. Seigneur, bâtis une église de fils. Ah, bâtis une église de fils. De véritables adorateurs. C'est parce que les fils triomphent que la création les attend. Et il m'a dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et le diable redoute avec une ardente terreur la manifestation des fils de Dieu. La création attend les fils. Le diable redoute les fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi les véritables adorateurs. Dis avec moi les véritables adorateurs. Je vous ai dit que les véritables adorateurs sont les seuls capables de détruire les autels sataniques. Si tu n'es pas un véritable adorateur, ne te presse pas d'aller dire, toi, autel qui tient toute ma famille en captivité, je te détruis au nom de Jésus. Attends d'abord,
calme-toi, sens-toi de force, deviens un guerrier. Parce que je vous ai dit que si tu n'es pas qualifié pour parler aux autels, ne le fais pas. Tu vas t'attirer des problèmes, mais tu ne t'en attireras pas au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen encore. Les véritables adorateurs sont les seuls capables de détruire les autels sataniques sans courir le risque d'une représaille ou d'une riposte. Ils peuvent attaquer et ils ne seront pas, parce que Satan, quand tu attaques, il faut savoir une chose. Quand tu attaques, va toujours riposter. Il y aura toujours tentative de représailles. Sauf que chez les véritables adorateurs, les représailles n'ont aucun effet. Pourquoi ? Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Chez les véritables adorateurs, dès lors qu'ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs, quand le prince de ce monde vient, il ne voit rien en eux. Il n'y a pas la chair, donc il n'y a pas de porte d'entrée pour Satan. Voilà pourquoi les représailles et les ripostes sont bloquées par le bouclier de la foi et sont annulées et ils ne les atteignent jamais, ni eux, ni leurs proches. Je te vois véritable adorateur au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen. Non, Église, il est temps pour nous d'aller dans la dimension des véritables adorateurs. J'ai envie d'ouvrir le cerveau de quelqu'un et de mettre le ras-le-bol du statu quo, de la routine, du train-train, de la nonchalance, de l'esprit religieux et de favoriser l'émergence d'une armée de véritables adorateurs. Pourquoi Satan fait tout pour empêcher la manifestation des véritables adorateurs? C'est parce qu'un seul véritable adorateur, en réalité, un seul va réveiller d'autres véritables adorateurs. En fait, les véritables adorateurs sont des libérateurs de prisonniers. Mais il ne faut pas que libérer les prisonniers, mais ils libèrent les prisonniers et puis ils influencent les prisonniers au point que les prisonniers d'hier deviennent eux aussi, pas des croyants, mais des véritables adorateurs, des tueurs de géants, des guerriers. Quand tu entends parler des hommes, des puissants hommes de David, David a été un adorateur embrasé pour Dieu et il a engendré une race de tueurs de géants. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit encore amen. Il y a avec moi véritable adorateur. Oh Église, devenons, aspirons, soupirons pour devenir des véritables adorateurs. Seuls les véritables adorateurs sont plus puissants que les bâtisseurs d'hôtels sataniques. Les bâtisseurs d'hôtels sataniques, c'est qui? Ce sont ce qu'on appelle les sorciers, les médiums, les marabouts, les féticheurs. Parce que quand les gens vont les voir, ces gens-là bâtissent des hôtels. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils bâtissent des hôtels pour parler contre toi. Ils bâtissent des hôtels pour dire, on appelle la maladie, on appelle le divorce, on appelle l'échec, on appelle le célibat permanent chronique, on appelle ci sur sa vie. Ce sont des bâtisseurs d'hôtels. Mais seuls les véritables adorateurs, en réalité, sont plus puissants que les bâtisseurs d'hôtels sataniques. Les autres, ce n'est pas automatique. Tu peux être né de nouveau, on l'a déjà dit, donc on va le redire encore. Mon message n'est pas nouveau, mon message est juste le message que j'ai reçu. Je ne donne pas les choses nouvelles, je donne les choses que j'entends. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis avec moi, véritable adorateur. Je vous ai déjà dit, mon frère, ma soeur, tu peux être né de nouveau. Ça ne veut pas dire automatiquement que toi, tu peux, parce que tu es né de nouveau. Donc, le jour où tu as reçu Jésus, là, maintenant, tu vas voir les sorciers de la famille. Et toi, grand-mère, tu as bouffé ta fille, tu as bouffé ton fils, tu as bouffé. Ben non, arrête. Hein. Sinon quoi? Tu vas voir. Maintenant, j'ai Jésus. Et il est écrit dans la parole, celui qui est en moi, celui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as vu? J'ai chanté. Et d'ailleurs, grand-mère, grand-pape, Jésus-Christ est en moi. Et il est écrit dans la parole, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Attention, j'étais à l'œil. Un nouveau-né en Jésus. Et désormais dans la place, s'il y a un problème, dites vite, agissez vite, s'il vous plaît. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, c'est pas parce que tu es né de nouveau. Ce que tu dis là, celui qui est en moi est plus grand que celui qui... C'est vrai, mais ça c'est spirituellement établi. Mais ça c'est une vérité spirituelle, c'est assis, c'est établi. Mais maintenant, il faut que ça devienne vrai dans le monde naturel. Quelqu'un dit amen. Parce que quand tu es en Christ, la vérité spirituelle établie, c'est que tu es aussi béni. C'est que tu es aussi guéri. Amen. C'est que tu es aussi riche. Amen. Et pourtant, aïe. Donc, c'est pas parce que c'est établi dans l'invisible que c'est vécu. Non. Et le Saint-Esprit m'a dit, m'a donné une réflexion, une pensée. Il m'a dit, tu vois, ce que nous ne comprenons pas, c'est que tu peux appartenir à l'armée la plus puissante du monde. C'est pas parce que tu appartiens à l'armée la plus puissante du monde que tu triomphes dans la bataille.
Non, tu peux appartenir à l'armée la plus puissante et être vaincu par une armée nettement inférieure et moins équipée que la tienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de tactique, c'est une question de stratégie. Vas-y, jeune homme, acclamez le Seigneur pour lui, parce que vraiment... Allez, on prie en langue, on prie en esprit. Rakate de rebo, sokata mabro. Rebo, so de babra, il est rebo. Je suis marié, je vous promets, je suis marié. Likarara mabro. Je n'ai pas dit d'arrêter d'acclamer, arrête d'acclamer, continue d'acclamer. Faut qu'il finisse et qu'il règle tout. Kadare bobosh. C'est quand quelqu'un te touche par le dos, faut lui dire, regarde, tu es marié, faut annoncer aux gens que tu es marié. Ça. En plus, je suis marié à Miss Univers éternel, l'unique. Bon, enfin bref. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. L'État islamique est une parfaite illustration de cette vérité. Les coalitions, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, plus les autres coalitions, n'arrivent pas à décimer une armée nettement inférieure en logistique, en puissance, en armement. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Le fait d'appartenir à l'armée, le fait d'avoir la plus grande puissance, ne fait pas de toi un vainqueur automatiquement. Tout dépend des tactiques et des stratégies utilisées par les uns et les autres. Par exemple, tu peux être l'armée la plus puissante, mais si l'armée en question ne se ravitaille pas en nourriture et en munitions, même si elle a le plus puissant matériel, et que les autres en face, moins nombreux, ont les munitions et l'alimentation, mais ils font de vous une bouchée. C'est une question de tactique. Voilà pourquoi ce n'est pas une question. Il ne faut pas juste arrêter à celui qui est en moi est plus grand. Il faut, on l'a dit, chauffer à bloc l'autel. Il faut que l'autel de Dieu dans ta vie soit puissant. C'est ça qui caractérise le véritable adorateur. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, la question est, c'est quoi, pasteur Ivan, la véritable adoration que pratique le véritable adorateur? Demande à ton voisin, c'est quoi la véritable adoration? Qu'est-ce que c'est que la véritable adoration? La réponse à cette question, Jésus nous la donne dans Jean au chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, verset 20 au verset 24. La femme samaritaine. La femme, donc, ça c'est la conversation entre la femme samaritaine et Jésus. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Pour qu'une adoration soit agréée, vous les Juifs, vous dites qu'il faut obligatoirement monter dans le temple de Salomon et pas au temple Gerazim ici à Samarie. Il faut aller à Jérusalem. Et si on adore à Jérusalem, alors c'est là qu'il y a la véritable adoration. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, réclame, exige. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en... Oui, merci, tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Bon, il faut vraiment, Église, qu'on arrête de se tromper, de se séduire et de reproduire les lapsus, les fautes, les préjugés, les choses qu'on a apprises à notre nouvelle naissance et qu'on arrête de répéter des paroles comme des perroquets sans les avoir comprises. Il faut arrêter de dire « je vais à l'adoration » quand tu ne vas pas à l'adoration. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible de Genèse à Apocalypse, il faut rappeler, Église, que chaque fois qu'on parle d'adorer, et d'ailleurs la première fois que Abraham on parle d'adorer. Quand Abraham a parlé, allons adorer, il parlait d'amener Isaac en sacrifice. Donc, il faut absolument faire asseoir une bonne fois pour toutes dans nos vies que dans l'adoration qui signifie proskuneo, mais c'est beaucoup plus que se prosterner. Ce n'est pas physique, c'est d'abord le cœur et l'esprit qui se prosternent
devant Dieu. Et quand on se prosterne, on amène toujours un sacrifice. Donc, derrière le mot adoration, il y a toujours la question, la notion d'offrande, de don, d'abandon et de sacrifice. Parce que c'est le sacrifice qu'on apporte qui va déterminer la puissance de l'autel qu'on a bâti. Dis-moi amen. Donc, il faut vraiment arrêter de dire, oui, je vais adorer. Non, parce que la plupart des gens disent, je vais adorer. Tu ne vas adorer personne. Tu vas, en tout cas, pas Dieu. Donc, tu vas comprendre pourquoi. Il faut arrêter de dire, je vais adorer. Adorer, ce n'est pas chanter. Nous adorons. C'est vrai, chanter est une expression d'adoration. Quelqu'un me dit amen. Amen. J'ai dit, quelqu'un me dit amen. Amen. Et le problème, c'est que si cette expression d'adoration n'est pas accompagnée par un cœur d'adorateur, Cette chanson ne produit rien. Et Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Adoration implique offrande, don, abandon, sacrifice. Amen. Maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on offre dans l'adoration? Qu'est-ce qu'on offre pendant qu'on adore? En fait, dans l'adoration, dis avec moi, adoration, on offre son corps, c'est-à-dire on offre les paroles de sa bouche. Lorsqu'on rend grâce, lorsqu'on célèbre, lorsqu'on célèbre le Seigneur pour ses bontés, pour ses bienfaits, pour sa fidélité. Je l'ai déjà dit, surtout quand ça fait mal, on est en train d'adorer. Et là, on offre un sacrifice de louange. Quelqu'un me suit et dit amen. On offre son corps, on offre ses mains, on offre ses genoux. En se prosternant, adorer se fait avec son corps, adorer se fait également avec son cœur. On offre ce qui nous a coûté, ce qui est précieux à notre âme lorsqu'on l'offre à Dieu, c'est l'adoration. Et on offre également nos ressources, nos biens, nos richesses, nos capacités, notre potentiel. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a plusieurs manières d'adorer au-delà de chanter. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 15 jusqu'au verset 17, il dit, par lui, offrant sans cesse par Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Je l'ai déjà dit à la conférence, je le redis encore. Un sacrifice de louange. Dis avec moi, un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la louange et le sacrifice de louange. La louange est louer Dieu quand tout va bien. Alléluia. Je me marie, gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Oh yes! Mais il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice est toujours ce qui peine, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et lorsque, avec ta bouche, tu parviens à rendre grâce à Dieu, même quand ça ne va pas, même quand tu n'as pas de bonnes nouvelles, mais tu rends grâce à Dieu, pas pour les mauvaises nouvelles, mais juste parce qu'il est avec toi et qu'il prend soin de toi et qu'il est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Pas aujourd'hui, mais ce qui compte, ma Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je te rends grâce parce que j'étais jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Qu'importe ce que je vois, qu'importe ce que mes yeux, ma chair voit, perçoit, mes yeux touchent, mes oreilles entendent. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce parce que je sais que tu es là. Rien que le fait que tu es là. Je te rends grâce parce que tu m'as sélectionné, mis à part en Christ avant la fondation du monde. Seigneur, tu aurais pu me destiner à la colère, mais tu m'as destiné à être un vase de miséricorde. Je suis déjà reconnaissant parce que j'ai déjà été choisi. C'est le plus grand privilège que j'ai reçu. C'est déjà d'être choisi. Seigneur, rien que pour ça, merci. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends grâce, je te bénis et je t'acclame, je te célèbre. Alors que rien ne va, quand tu fais cela, alors qu'en réalité, au plus profond de toi, tu as envie de dire, tu te sens frustré lorsque tu arrives à faire ça, tu es en train d'offrir à Dieu ce qu'on appelle un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Au verset 16, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Le mot bienfaisance ici, ça parle simplement de faire le bien, de faire les bonnes œuvres, de faire le bien. Et le mot libéralité vient d'un mot grec qui signifie assistance aux autres, contribution volontaire, participation. Donc, il comprend la notion d'offrande aussi bien à Dieu, mais également de service rendu à tes frères et à tes sœurs. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que, tu vois, il dit, parce qu'il finit en disant, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en servant les frères, en aidant un frère, en assistant une sœur, en soutenant les autres, en fait, tu es en train d'offrir une adoration à Dieu.
J'ai pas entendu ton amen. Il y a plusieurs manières d'offrir un sacrifice à Dieu. Il dit, ce sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Tu ne peux pas dire, j'ai chanté. Tu chantes, tu ne sers personne, tu n'aides personne, tu ne dépannes personne, tu ne fais aucune offrande à personne, ni à Dieu, ni aux hommes. Et tu dis, j'ai bien adoré aujourd'hui, c'était fort. Tu n'as pas adoré. Il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a pas eu d'assistance. Et quand ça ne va pas, tu n'arrêtes pas de te plaindre. Non, ce n'est pas l'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La question qui m'est venue, mais c'est pourquoi Jésus parle-t-il de la vraie adoration? Parce que dans Jean 4, verset 23, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi il dit les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs pratiquent la vraie adoration. Mais pourquoi Jésus parle-t-il de la vraie ou de la véritable adoration? Et la réponse est venue dans mon esprit, c'est que si Jésus parle de la vraie adoration, ça suppose, ça veut dire qu'il y a une fausse adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voyez-vous, le peuple d'Israël était, en au temps de Jésus, le peuple qui adorait le seul vrai Dieu. C'était Israël qui adorait le seul vrai Dieu. L'évangile n'était pas encore venu à nous. Ils adoraient le seul vrai Dieu, mais malgré le fait qu'ils adoraient le seul vrai Dieu, ce peuple était dans la défaite. Ce peuple était oppressé, il était asservi, esclave des Romains. Or, quand tu lis la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, tu vas voir que chaque fois qu'un peuple, le peuple de Dieu, chaque fois que le peuple de Dieu était vaincu par ses ennemis, était oppressé, était tenu en captivité par ses ennemis, chaque fois que tu vois le peuple de Dieu qui adore le seul vrai Dieu, chaque fois que tu le voyais vaincu, écrasé, oppressé par ses ennemis, ça, la plupart du temps, c'est parce que l'autel de Dieu n'avait pas été bâti ou n'avait pas été respecté, ou n'avait pas été honoré. Le peuple n'avait pas honoré Dieu et Dieu le livrait à ses ennemis. Mais chaque fois, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, des rois, des chroniques, chaque fois que le peuple revenait à Dieu, rebâtissait l'autel de Dieu avec un cœur sincère, quand il s'humiliait, il se repentait, Dieu lui redonnait la victoire sur ses ennemis. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand ils perdaient, quand ils étaient harcelés, étouffés, oppressés, il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand ils perdaient, et il devenait esclave, il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment peut-on invoquer le seul vrai Dieu, le Dieu le plus puissant? Parce que quand tu adores le seul vrai Dieu, quand tu bâtis un autel au seul vrai Dieu, normalement, si tu bâtis un autel en offrant des bons sacrifices, normalement, quand le feu de Dieu vient agréer le sacrifice, le Dieu tout-puissant rend ton autel tellement puissant que tu ne peux plus être vaincu par tes ennemis. C'est pour ça que chaque fois qu'ils rétablissaient l'autel de Dieu, ils triomphaient sur leurs ennemis. Donc, si ce peuple invoque le seul vrai Dieu et est quand même vaincu par ses ennemis, malgré les sacrifices qu'il offre à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème, une erreur au niveau du Dieu qui est invoqué, mais il y a un problème au niveau de la nature de l'adoration qui est pratiquée. Et quelqu'un me suit? Qui dise amen. Israël n'était pas un peuple idolâtre. Israël, au moment de Jésus, a adoré le seul vrai Dieu. Dis amen. Mais le problème, c'est que les Juifs, le peuple d'Israël, avaient réduit l'adoration à un ensemble de cérémonies, de rituels, de postures, de sacrifices, dans les holocaustes, les offrandes matérielles. Et Israël se disait, il pensait qu'en procédant ainsi, ils adoraient le seul vrai Dieu. Donc, il se disait, dès lors qu'on a chanté des cantiques, dès lors qu'on s'est prosterné face contre terre, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bon. Dis amen. C'est notre génération qui a des chaises. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Les gens se prosternaient. Donc, il se disait, dès lors qu'on a chanté des cantiques, dès lors qu'on s'est prosterné, dès lors qu'on a offert des holocaustes et qu'on a apporté des offrandes matérielles, surtout si on a fait ça à Jérusalem, le peuple se disait, c'est que là, on a respecté le cahier des charges dicté par la loi de Moïse. Alors là, c'est qu'on a adoré le seul vrai Dieu. Donc, on s'attend de la part de Dieu à ce que Dieu réponde par le feu
Et quand Dieu va répondre par le feu, nos ennemis vont voir. Parce que quand Dieu répond par le feu, c'est un feu dévorant et il inspire la terreur à ses ennemis. Et quand il répond par le feu, ça veut dire que le sacrifice offert à Dieu a été agréé. Et quand le sacrifice a été agréé, le feu va consumer le sacrifice. Et quand le feu consume le sacrifice, la puissance de Dieu est libérée sur son peuple. Et là où il était oppressé, soudainement c'est lui qui prend le dessus sur ses adversaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans Jean chapitre 4, au verset 20 à 24, Jésus va chambouler et bouleverser la théologie et la conception de l'adoration que le peuple d'Israël a toujours eue depuis son enfance. On nous a dit qu'il faut dire, il faut seulement dire, nous élevons nos mains vers. On leur a dit, si tu fais, nous élevons nos mains, ça c'est un. Si tu offres une bonne offrande, ça c'est deux. Alors, dans l'Ancien Testament, il fallait en plus se sacrifier. L'Holocauste, il fallait emmener des animaux, sacrifier de l'Holocauste. Si tu le fais à Jérusalem, va en paix, Dieu t'a exaucé. Ça, c'est ce qu'ils croyaient. Sauf que Jésus va leur expliquer, Jésus va leur révéler une chose profonde. Il va leur révéler que le peuple de Dieu, sans être idolâtre, parce que les idolâtres, ce sont ceux qui adorent les divinités sataniques. Est-ce que quelqu'un me suit? Les idolâtres, c'était ceux qui adoraient les Baals, les Astartés, les Mamiwata, les tout ça là. Ça, ce sont les idolâtres. Les idolâtres sont ceux qui adorent des créatures spirituelles. Mais Jésus va leur révéler que tu peux être le peuple de Dieu qui n'adore pas les idoles, donc qui adore le vrai Dieu, mais qui est quand même un peuple de faux adorateurs. Je répète, Jésus va leur révéler que sans être idolâtre, on peut néanmoins être un faux adorateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand on est un faux adorateur, le problème c'est quoi? C'est qu'on met des offrandes, on donne sur terre, mais au ciel, le compte n'est pas crédité. On donne sur la terre, on donne à l'église, on offre à une sœur, on offre à un frère, mais au ciel, il n'y a pas de crédit à ton compte. Pourquoi? Pas parce que tu as offert au mauvais Dieu, tu as offert au bon Dieu, mais ça n'a pas été agréé. Pourquoi? Fausse adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est alors que Jésus leur dit, c'est pour ça que Jésus leur dit, que le Père demande les véritables adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père demande. Ce n'est pas une question de Jérusalem, ce n'est pas une question de chant. C'est la nature de l'adoration. Et Jésus révèle que la véritable adoration, c'est une adoration qui se fait en esprit et en vérité. Dis avec moi en esprit et en vérité. Alors, il commence d'abord en disant en esprit. En esprit, dans le texte grec que j'ai regardé pour toi, il y a deux mots. En esprit, il y a deux mots dedans. Il y a en et puis pneuma. Pneuma, c'est esprit. En, ça veut dire avec, par ou encore à travers. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est en esprit. Le deuxième mot, c'est en vérité. Dis avec moi en vérité. Et le mot grec de « en vérité », c'est « aletheia ». Ça signifie « objectivement, certainement, sincèrement ». En fait, quand tu lis le texte grec, il dit que le Père, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par, avec, à travers l'esprit. Mais en fait, le grec ne dit pas « en vérité ». Le grec dit « et vérité ». Ça veut dire, il faut que ceux qui adorent, adorent Dieu à travers, par, leur esprit, mais de manière vraie, de manière objective, de manière sincère, de manière authentique, de manière pure. Dieu n'exige pas la perfection de l'adorateur. Dieu exige la sincérité, l'honnêteté, la pureté, un cœur irréprochable de l'adorateur. C'est ça qu'on appelle en vérité. Dis avec moi en vérité. Tu te rends compte? En fait, quand il m'a dit ça, ça m'a choqué. J'ai dit, comment ça? Il me dit, non, tu peux adorer le vrai Dieu. Donc, tu n'es pas un idolâtre, mais il t'appelle faux adorateur. Ah! J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, les vrais sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors, je vais voir avec vous pour le temps qui reste, en vérité. Avec moi, en vérité. J'ai dit, mais Seigneur, cette parole est dure. On peut être un faux adorateur. Et je comprends ton silence, parce que ton silence est un silence méditatif.
je vois une personne qui commence à s'examiner elle-même. On peut adorer le vrai Dieu. Tu dois comprendre une chose. Si on adore le vrai Dieu, avec les vraies offrandes, les vrais sacrifices, les vrais dons, et que ces dons sont agréés par Dieu, c'est impossible que tu sois impuissant. C'est impossible que tu sois impotent. C'est impossible que tu sois vaincu, parce que en offrant les sacrifices, en fait, l'autel de Dieu dans ta vie est en train de devenir puissant. Et un autel puissant, je te l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si je te l'ai dit, un autel puissant détermine des exaucements puissants. Un autel puissant détermine une autorité puissante. Un autel puissant, c'est la clé. Parce que quand ton autel est puissant, ta voix devient puissante. Ce n'est plus question de corde vocale, c'est que quand tu parles, tu es écouté. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu es un feu dévorant. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu, de sa sainteté, t'a agréé. Donc, quand tu te balades, c'est comme un feu qui est... Mais ils le reconnaissent. Tu deviens puissant. Et quand le feu vient, il brise les chaînes qui te retenaient. Il brise les chaînes qui te retenaient. Donc, si ça fait longtemps que tu es lié par un péché, oppressé en permanence, et que tu pries Dieu, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois regarder la nature de l'adoration. Parce que tu peux être un faux adorateur en adorant le vrai Dieu. Mais Dieu dit c'est faux. Et la fausse adoration, c'est une adoration qui est offerte, mais qui n'est pas acceptée. Qui n'est pas agréé. Elle ne dégage pas une bonne odeur. Ah! Il dit, Seigneur, c'est sérieux? Mais à quoi reconnaît-on une fausse adoration? Ou à quoi reconnaît-on un faux adorateur? Il m'a dit, la fausse adoration, c'est lorsque ce que tu offres, quel que soit ce que tu offres, lorsque tu l'offres, non avec sincérité, mais avec légèreté, avec hypocrisie, avec fausseté, avec manque de sincérité, d'authenticité. Oublions que l'Éternel dit Samuel, dans 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel regarde au cœur, là où l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. À quoi est-ce que tu reconnais, dans quelle configuration peux-tu te retrouver en train d'être un faux adorateur lorsque tu ouvres la bouche pour prier, mais que tu ne mesures même pas les paroles que tu es en train de dire. Tu dis des choses, et lorsque ce que tu dis est pesé devant Dieu, Dieu dit léger, superficiel. Parce que tu ne penses pas ce que tu es en train de dire. Parce que tu sais que ça arrive, et les gens prient, et ils ne pensent pas qu'ils sont en train de prier. Et qui prie ainsi. Généralement, c'est pas loin. Quand on approche le mariage ou quand on cherche à se marier, on doit bien prier surtout. Il faut rassurer. Oh Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Combien je t'aime. Combien, mais accompagne-moi. Je t'aime, oh Seigneur. Oh, je t'aime. Bon, bref. Tu dis au Seigneur, je t'aime Seigneur. Non, pas ça. En fait, excuse-moi, j'ai du mal à trouver les exemples parce que je n'arrive pas à être faux dans mon adoration, c'est pour ça. Tu vois, il y a des moments où je suis inspiré. Là, je ne suis pas inspiré parce que je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas. J'admire les gens qui sont faux dans leurs paroles. Donc, j'ai du mal à trouver les bons exemples. À mon avis, quelqu'un dans la salle pourrait peut-être m'aider. J'ai besoin d'aide. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à trouver, donner des anecdotes de comment on peut dire des phrases qu'on ne pèse pas? Oh, Seigneur, ah Jésus, je t'aime trop là, oh vraiment. La manière dont je t'aime là. Et quand tu vois les gens là, pasteur, j'aime trop Jésus. Hein. C'est normal? Regarde, va prier. Oh, je t'aime Seigneur, je t'aime. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 5, version du Sommeur, quand vous priez, n'imitez pas tous ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà obtenue. Il y a des gens qui, même dans l'église, prient de manière à se faire remarquer par la qualité de leur prière. Oh, Éternel! Il y en a, j'en ai vu. Tu sens que lui, il prie pour se faire remarquer. C'est pas parce que tu pries à haute voix que tu pries pour te faire remarquer. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est une histoire entre Dieu et toi. Dieu seul sait pourquoi tu cries. Moi aussi, je crie. Mais on ne crie pas tous pour les mêmes raisons. Il y en a qui font ça
pour se faire remarquer, pour paraître spirituel. Il y en a qui se prosternent. C'est bon de se prosterner, parce que dans l'adoration, il y a aussi le fait de se prosterner. C'est une manière d'humilier son âme. C'est une certaine accompagnement. Les pieds accompagnent le cœur. Dis amen. Pardon, les pieds, les genoux. Les genoux accompagnent le cœur. Le cœur se prosterne, les genoux se prosternent. C'est bon. Mais il y en a qui se prosternent comme Saül. Saül, Dieu lui dit, parce qu'il a péché, Dieu lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te retire la royauté d'Israël et la donne à un meilleur que toi. Saül, au lieu de dire, je me repens, je m'humilie, il dit d'accord, ok. Mais s'il te plaît, Samuel, viens. Viens, on va adorer l'Éternel, ton Dieu. Et puis Saül vient et puis se prosterne. Me livre totalement. Tout ça pourquoi? Pour que le peuple d'Israël voit que leur roi est un faux adorateur. Mais le peuple ne sait pas. Le peuple ne sait pas si tu es vrai ou faux, parce que tout se passe dans le cœur. Le peuple n'en sait rien. C'est pour ça que tu n'en sais rien. Tu ne peux pas juger la sœur ou le frère à partir de ça. Gars, mon frère. Toi, tu dis, pasteur, quand elle chante, waouh. Tu dis, frère. Frère, toi, tu n'as pas connu la vérité. Reste calme, hein. Ok, ferme la parenthèse. Il y a des gens qui vont faire des actes prosternés juste pour se faire remarquer. Jésus dit, si c'est ça là, tu as déjà obtenu ta récompense. C'est quoi ma récompense? Ta récompense, dès lors que les gens ont dit, waouh, quel adorateur. Dieu dit, de moi, tu ne recevras rien. Tu as reçu de l'acclamation, l'admiration. C'est ce que tu voulais, tu es servi. À quel moment es-tu un faux adorateur? C'est terrible. Tu te rends compte qu'on peut jeûner, prier régulièrement et être un faux adorateur? Tu jeûnes tout le temps. Mais ton jeûne est enregistré dans ton organisme sur la terre, mais au ciel. Parce que le jeûne, c'est une supplication et la supplication est un sacrifice. Dis amen. Amen. Mais toutes les supplications ne sont pas reçues par Dieu comme étant des sacrifices. En bon, mais non. Pourquoi? Ça dépend des motivations. Et quand vous priez, ne prenez pas la mine déconfite comme les gens qui veulent montrer à tout le monde qu'ils sont en train de jeûner. Dieu va te le rendre. Mais il y en a quand ils jeûnent. Bon, il y en a, ils prennent l'air tellement. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Je suis en prière. Tu viens d'où? Je viens de la montagne. Oh, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, excuse-moi. C'est comme si un démon venait de... Ouf! Ah, attention! Je les détecte là, maintenant je les détecte. J'ai 40 jours de feu là, tu comprends? Ah! Attention! Il y a un démon qui attend de passer là! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Je sors de 40 jours. Waouh! 40 jours! 40 jours. Comment on fait 40 jours? C'est pas réservé à tout le monde. Waouh! Waouh! Mais est-ce que je peux y arriver moi aussi? Mais tu sais, après les 40 jours, j'enchaîne encore sur 21. Il va, et puis il s'enferme. Oh Seigneur! Dieu le regarde comme ça là. Et lui, il pense que son sacrifice est monté. Il est resté sur la terre. C'est-à-dire que le ciel n'a pas enregistré ça. Ce qui fait que tu sors de là, mais tu vas voir que ce genre de personnes qui ont ce genre de cœur, ils jeûnent, ils jeûnent. Je connais un pasteur qui jeûnait tout le temps. Moi, je jeûne, c'est vrai. Mais lui, il jeûnait tout le temps. Mais il y en a quand tu jeûnes pour les mauvais motifs. J'en connais un qui est très malade. Parce que tout ce que tu fais, tu dois toujours le faire par l'esprit. C'est-à-dire être sûr que le Saint-Esprit te convainc de ce que c'est ce que tu dois faire maintenant. Hein? Moi, je vous ai dit, hein, j'ai connu des gens, hein, je ne vais pas dire, hein, mais 40 jours de jeûne, quand il y a un soir de 40 jours de jeûne, la manière dont elle te regarde et elle te parle, elle te demande, ça c'est Lucifer qu'elle a vu ou ça c'est Dieu? Non, parce qu'on doit voir quand même l'amour, la paix, la bonté, la douceur. Ah! Aïe, aïe, aïe! Tino! Oh! Maman! Ça, c'est ça. Elle a dû rencontrer le diable. Elle a dû rencontrer le diable. À quel moment es-tu un faux adorateur? Tu apportes une offrande. Il y en a, vous savez, qui apportent des offrandes. Mais pour qu'il apporte une offrande importante, il faut qu'on fasse un appel public et qu'on demande aux gens de se lever. Il y en a, ils ne peuvent pas faire une offrande importante dans l'anonymat. Si, non, cette offrande-là, parce qu'il y avait les anciennes et puis il y a l'eau avec grand O. Celle-là, pasteur, si je l'apporte, il faut que tu fasses l'appel. Donc on dit, on va apporter bâtisseur du royaume. Il y en a, non, il ne se lève pas. Il faut que tu dis qu'il va apporter 200 000 euros. Viens devant. Il va se lever.
Il attendait que ça. 500 000 euros. Et quand il est le seul, il se lève. Oh, la personne va dire, et elle va la voir pour ses frères. Recours ça. Papa, 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 papa. Et là, au-delà de lui, c'est tout ce qu'il attendait. Il voulait être... Il y en a, ils veulent être vus. Ou alors, il y en a qui ne supportent pas les prières. Mais tu sais, la vérité pour l'offrande, c'est qu'il faut juste qu'elle quitte ta vie. Ce n'est pas important. Non, je suis d'accord pour dire que parfois, c'est bon qu'on prie pour toi. Dis amen. Amen. Voilà. Mais la personne qui dit non, ok, je prie pour toi, d'accord. Mais il veut que l'on prie pour lui en public. Et s'il vous plaît, caméra. Zoomé. Jésus dit ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, dans Matthieu 6, verset 2, ne le claironne pas, ne sonne pas la fanfare partout. Il dit, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont déjà reçue. Donc, tu pries le vrai Dieu. Tu fais l'offrande au bon Dieu. C'est le bon, c'est pas le mauvais. C'est le vrai, le seul vrai Dieu. Dieu, mais ton offrande n'est pas comptabilisée au ciel. Elle est comptabilisée, gloire à Jésus, à un pacte centre chrétien. Nous les recevons, quel que soit le cœur avec lequel tu l'as fait. Écoute, non, 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 nous on a un projet. Nous sommes les bâtisseurs du royaume. On prend tout, quelqu'un me dit amen. Amen. Dis à ton voisin, amen quand même. Amen. Si tu veux, je peux même profiter sur toi en public. Roko sakato bailakata. Mais la vérité, si ton cœur est mauvais, le ciel ne va pas comptabiliser. Et quand le ciel ne comptabilise pas, le feu ne vient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? À quoi reconnais-tu un faux adorateur? Alors, il y en a, c'est vrai, ils ont besoin qu'on les remarque. Ils apportent des vraies offrandes, ils veulent qu'on les remarque. Mais moi, ce qui me choque le plus quand même, ce sont les gens que franchement, ils dansent devant Dieu. Parce que tu dois comprendre une chose, hein? Danser peut être une expression d'adoration. À condition que la danse soit accompagnée par le cœur, le sacrifice, qui s'offre lui-même. Dis amen. Amen. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de... Est-ce que tu as vu sur Internet, j'ai vu sur Internet, un gars faire l'offrande. Eh, Paka. Les églises qui mettent le panier devant ont des problèmes avec ce genre de gars. Je bénis Dieu pour notre sagesse, on fait passer. Comme ça, si tu danses dans la rangée. Mais il y en a. Il y a des églises où tu dois venir devant. Donc là, tu vois des gens. Il y a la queue, hein, mais il vient. Il avance, il recule. Il avance. Frère, il y a la queue. À lui tout seul, il va bloquer toutes les offrandes. Mais là encore, ça va. Il y en a les faces. Je danse avec puissance. J'accomplis des miracles. Alors ailleurs, et tu vois, tous les mamans d'église sont là. Tu as bloqué le panier des offrandes. Tu as prolongé le cul de 10 minutes à cause de toi. Donc, toute l'église est sur le gars. Et il pense que parce qu'il a dansé comme ça, Dieu a agréé. Attention, Dieu a agréé lorsque, en dansant, tu vois, la Bible dit celui qui porte la gerbe, celui qui a. Psaume 125, je crois. Celui qui sème avec l'âme. Et puis après, il dit, celui qui porte, viens, mets-moi le tournant. Faut que tu dises ça vite. Celui qui. Les ramambres au satan, la mambre. Acclame. Psaume 125. C'est 125, oui, c'est ça, 125, oui. Non, c'est pas 125. 126, c'est 126, c'est ça? 126, oui, c'est ça, voilà. Verset 6. Tu vois, bon, on comprend. Il dit, ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Ok? Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte les gerbes. Donc, on comprend que tu sois en train de marcher en dansant ou en pleurant, parce qu'il y a un sacrifice qui est en train de sortir de toi. On comprend que tu bloques le culte. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. On comprend que tu fasses ça si tu es en train d'apporter un sacrifice. Mais parfois, tu nous fatigues comme ça. Et après, dans le trou là, dans le panier, il met 2 euros. Emma! Ah non! Et dis, j'ai ce sacrifice. Ce n'est pas, non.
La danse là n'est pas un sacrifice tant que le cœur n'a pas accompagné les pieds qui dansaient. Il faut que le cœur se livre, donne un sacrifice, une expression de respect. Ainsi, le corps est agréé. Mais sinon, ça, non. Dieu dit, ça c'est faux adorateur. Parce que dans adoration, il y a sacrifice, il y a don, il y a offrande. Il faut que ça exprime le respect. Tu as bloqué le culte. Et la plupart du temps, la personne fait ça pour se faire remarquer. Comme ça, on t'a identifié comme le danseur. Il y a eu Michael Jackson. Maintenant, il y en a un nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, j'ai encore pire que ça. Pire que ça. Nous élevons nos mains vers toi. Ouf, chakarabou. Nous élevons... Aux États-Unis. Oh, Jesus. Oh, oh, Jesus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers. Tu lèves les mains en signe d'abondance, mais tu n'as rien abandonné. En fait, même en venant à l'église, tu venais pour lever les mains, mais avant même de venir, tu savais que tu n'allais pas abandonner. Parce que quand on lève les mains, c'est un signe d'abondance. Ça veut dire qu'on va abandonner. On va abandonner cette colère, cette irritation que là, l'on a avec sa femme ou avec son mari. Avant de venir, on était en froid. Quand je viens à l'église et que je lève les mains vers toi, c'est pour offrir un sacrifice. C'est quelque chose qui est dans mon cœur, cette frustration. Je te l'offre, c'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Je te l'offre. Cette froideur, cette impudicité, cette amertume, cette colère, cette jalousie, ce sentiment de rejet, lorsque je lève les mains, je suis en train de te l'offrir. Et il m'a dit, il y en a plusieurs, tu viens, mais en fait, tu n'as pas résolu de pardonner. Tu n'as pas décidé de quitter cette relation impudique. En fait, tu sais que quoi que tu entends dans l'église, tu ne vas pas quitter ce copain. Toi, pour toi, c'est clair. Mais lorsqu'on chante, tu es là. Ouh, c'est beau le culte aujourd'hui. Nous élevons nos... Aujourd'hui, on a adoré. Hein? Nous élevons nos mains. Tu n'es pas en train d'adorer un démon. Tu es en train de lever les mains vers le seul véritable Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'as pas dit tu es mamie, Wata. Tu as dit tu es Dieu. Dieu, Dieu. Ha. Tu es Dieu. Oh, le culte d'aujourd'hui était formidable, glorieux. Non, aujourd'hui on a adoré. Aujourd'hui on a adoré. Dieu dit fausse adoration. Tu as levé les mains, mais tu n'as rien libéré. Et il m'a dit, tu ressembles à cet enfant. Et moi, on a tous vu ça déjà, quand on a eu affaire à des enfants. Un enfant qui est accroché à sa maman, puis toi tu viens, et quand tu tends les mains, tu dis à l'enfant, oh bonjour, bonjour. Et puis l'enfant tend les mains, c'est comme s'il veut se jeter dans tes bras. Et puis, il tend les mains. Qui a déjà vu ça? L'enfant tend les mains. Et puis, au moment où toi, tu tends les mains pour le recevoir, il se cache encore vers sa maman. La première fois, tu te dis, c'est un accident. Alors, tu dis, goudou, 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 goudou. Alors, on va recommencer. Il tend les mains encore. Et puis, quand il tend les mains, ça veut dire qu'il veut que tu le portes. Et puis, quand il veut que tu le portes, tu le prennes dans tes bras, il se cache encore. Là, maintenant, tu dis, petit, moi aussi, j'ai des enfants. Hein. Reste là-bas. Reste aussi. Mais en fait, tu dis, mais tu te moques de moi. Sauf que Dieu me dit, mais en fait, en faisant ça, tu penses que tu te moques de lui. Mais sauf que ma Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Et Satan se moquera de toi. Pas toi, au nom de Jésus, je prie. Amen. Acclame, 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 acclame. C'est terrible. De lever les mains, de lui donner, alors que dans ton cœur, tu n'as rien donné. Tu es reparti de sa présence avec les mêmes choses dans ton cœur que tu avais apporté avec toi. La colère est là, l'amertume est là, l'impudicité est là. Et tu as bien chanté et tu dis j'ai adoré. Il m'a dit fausse adoration. Cette adoration qui provenait des lèvres n'est agréée de Dieu que si le cœur a lâché et que les mots ont accompagné.
Kate libro so kata mamande le rebosa. Libro kabala rebosa. Alors, si tu considères ce que je suis en train de dire, tu vas commencer à réaliser pourquoi que j'adore, je m'offre à Dieu soi-disant, mais pourquoi je me sens toujours faible, vulnérable, oppressé sur la durée? C'est impossible. Si le sacrifice est agréé, le feu vient, ta puissance augmente. Ta force augmente parce que le feu de Dieu vient consumer, briser les chaînes. Si tu es toujours dans le... C'est pour ça que je te dis, ne cherche pas la délivrance. Cherche la véritable adoration. La véritable adoration emmènera un feu qui consumera même les chaînes que tu ne soupçonnais pas. Il m'a dit, tu adores le seul vrai Dieu, mais de manière légère, de manière superficielle. Ce n'est pas sincère et ce n'est pas vrai. En fait, tu as été, ce que j'ai déjà dit plus d'une fois, tu te comportes comme un hypocrite. Et je te rappelle, mon frère, ma soeur, que hypocrite, ce n'est pas une injure. C'est même plutôt la reconnaissance d'un talent. Parce que le mot hypocrite signifie comédien, acteur de théâtre. C'est ça, hypocrite. Joueur, acteur de théâtre, comédien. Jésus dit, c'est bien, tu as levé les mains. Les gens disent, oh, non, il aime Dieu. Hein. Tu veux qu'on chante? Nous élevons nos mains. Et parfois, quand elle pense à la nostalgie de sa vie passée, quand elle pense hey, comment la bonté de Dieu, quand même, c'est vrai, tu penses à la bonté de Dieu, mais il n'empêche que ce copain, jamais je laisse tomber. Nous élevons nos mains. Donc parfois, parce qu'il t'a blessé ou il t'a injurié ou parce que Dieu t'a consolé, tu as une petite larme aux yeux et toi, tu vois la sœur qui a la larme, tu dis, regarde, elle est sensible à Dieu. Ouais, ne juge pas sur les apparences. Il y a beaucoup d'acteurs et de comédiens au mètre carré. Et le résultat, c'est que le feu n'est pas descendu. Et les vrais adorateurs, parce qu'ils adorent le vrai Dieu, et ils sont nés de nouveau, parce que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être un vrai adorateur. Dis amen. Amen. Les vrais adorateurs sont sauvés, ils sont nés de nouveau. Mais en matière de rapport de force, les faux adorateurs, je parlais des faux adorateurs, sont nés de nouveau. Ils adorent le seul vrai Dieu. Mais en matière de rapport de force, leur autel manque de puissance. Voilà pourquoi ils sont facilement vaincus par des sorciers, des marabouts qui ont bâti des autels. Comment sur un chrétien, on peut appeler des incantations et brusquement, tu as réussi à avoir, ah, je sens quelque chose, c'est une honte. Pourquoi? Parce que ton autel n'est pas puissant. Comment peux-tu jouer la comédie en face d'un ennemi qui lui ne joue pas la comédie du tout et qui offre des sacrifices qui lui coûtent? Et toi, tu fais le théâtre. Lève les mains. À moi, Seigneur. Il dit, on ne se moque pas de lui. Voilà pourquoi je prie que Dieu réveille l'Église de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mamba badarabo eave librosa catalerebosa. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Ah, il faut, il demande que ceux qui l'adorent. Il demande que ceux qui l'adorent l'adorent. Ambalier de la bosse,
Seigneur, examine mon cœur, sonde mon cœur. Il est ma brosse, comme ma malade de mort. Il faut que ceux qui l'adorent ne se contentent pas de prier. Qu'ils ne se contentent pas de prier le seul vrai Dieu. Mais il faut qu'ils examinent la nature de leur cœur, la nature de leur offrande. Ce qui accompagne, quelle disposition de cœur accompagne l'offrande, accompagne l'action de grâce, accompagne la prière. Accorde-nous la grâce d'être une église, un peuple dans cette génération de véritables adorateurs qui t'aiment. Seigneur, sonde mon cœur, expose toute fausseté et que je t'aime. Expose la légèreté. Pardon pour la légèreté. Demande pardon pour la superficialité, pour l'hypocrisie, pour la comédie, pour l'acteur que tu as fait. Mais ma Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Pardon, parce que se moquer de Dieu, c'est un manque de respect, c'est un manque de révérence. Il est Dieu, il est le Créateur, il est le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Pardonne l'hypocrisie, pardonne la fausseté, pardonne les fausses mains levées, pardon pour les faux proscuneo, les faux actes de prosternation. Pardon Seigneur, nous te prions, les offrandes qui n'étaient pas une marque de respect. Pardon pour les fausses danses, pardon pour les faux chants, les fausses mélodies, où tu dis fausse adoration, adressée au bon Dieu, au véritable Dieu, mais avec le mauvais cœur. Parce que tu regardes au cœur, tu ne regardes pas ce qui frappe le regard. Nous te demandons pardon et nous te supplions. Réveille, réveille, réveille les véritables adorateurs qui t'aiment. Réveille l'église des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit. Et ma brocasse et d'amour, qui sont sérieux, qui sont authentiques, qui sont purs, qui sont sérieux, qui sont sincères, qui sont mesurés, qui ne sont pas trouvés superficiels, légers, mais qui sont trouvés consistants. Délivre du mensonge, de la fausseté, de la tromperie, du désir d'impressionner, du désir d'émerveiller les hommes. Oh, nous t'implorons, ne nous laisse pas avoir une récompense qui provient des hommes et non de toi. Nous t'implorons, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Accorde-nous la grâce de trouver le Dieu qui récompense et pas l'homme qui récompense. Accorde-nous la grâce d'être circoncis de cœur. Aide-moi à t'adorer. Examine mon cœur, sonde mon cœur, expose de mon cœur ce qui n'est pas de toi, expose ce que je n'ai pas offert en sacrifice, expose et accorde-moi la grâce aujourd'hui désormais de t'adorer en vérité, de t'adorer avec poids, avec consistance, avec sérieux, avec diligence, avec ferveur, avec détermination. Seigneur, accorde-moi la grâce. Lorsque je serai mesuré, lorsque je serai pesé, que l'on ne dise pas léger, superficiel, que l'on dise consistant, solide, agréé, approuvé de Dieu. Envoyez le feu sur le sacrifice. Envoyez le feu pour réchauffer l'autel. Envoyez le feu pour augmenter sa puissance. Envoyez le feu pour augmenter son autorité. Envoyez le feu pour augmenter le niveau des exaucements à ses prières. Envoyez le feu. Retiens bien cette phrase. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois parfait. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu l'épates.
Le Seigneur n'attend pas de toi que tu l'émerveilles. Tu ne pourras jamais épater, impressionner, émerveiller Dieu. Tu ne pourras jamais. Le Seigneur attend de toi que tu sois sincère, que tu mesures, que tu sois intègre, que tu sois honnête, que tu ne donnes pas le sentiment que tu te moques de lui. Tu ne le prennes pas à la légère. Parce que se moquer, c'est banaliser. Se moquer, c'est prendre à la légère. Se moquer, c'est prendre pour acquis. Ne dis pas des paroles que tu ne mesures pas. Ne dis pas des paroles qui ne sont pas encore vérité, qui ne sont pas encore assises en toi. Ne dis pas je t'aime trop. Dis accorde-moi la grâce de t'aimer. Ne dis pas je crois trop en toi. Dis accorde-moi la grâce de croire. Ne me laisse pas incrédule, je t'en supplie. Fortifie ma foi. Dis-lui ce qui est à la hauteur et en harmonie avec ce qu'il y a en toi aujourd'hui. Que tu sois trouvé consistant et pas léger. Que tu sois trouvé solide et pas superficiel. Que tu sois trouvé agréé, approuvé et non rejeté. Que tu sois trouvé qualifié et non disqualifié. Que tu sois trouvé adorateur en vérité et non plus en fausseté, en hypocrisie. Réveille ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a des victoires à remporter. Il y a une chair à crucifier. Il y a le monde à vaincre. Il y a des démons, des hôtels sataniques à détruire. Il y a des prisonniers dans nos familles, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos villes à libérer. Là où en face, l'ennemi se renforce avec du sérieux. Ne nous laisse pas venir devant l'ennemi avec des têtes de clowns et de comédiens, des acteurs de théâtre, alors que cette guerre n'est pas une fiction. C'est une guerre sérieuse qui fait des morts, qui détruit les vies, qui cause des maladies, qui décime les familles, les foyers, les maisons. Ce n'est pas un lieu pour les comédiens, c'est un lieu pour les authentiques adorateurs. Alors réveille la race, la génération des véritables adorateurs. Merci de ce que tu entends. Merci de ce que tu agrées ce genre de prière. Merci de ce que tu réponds. Nous croyons que ta capacité nous rendra capables de marcher dans la dimension des véritables adorateurs. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Instruis-nous sur ces choses. Rappelle-nous ces choses. Ne nous laisse pas continuer de nous tromper par des faux raisonnements. Ça, ce sont les comédiens, les acteurs de théâtre qui font ça. Non, la vie n'est pas un théâtre, c'est une guerre. Il y a une guerre des hôtels. Tu ne peux pas aller avec un habit de clown. Tu dois aller avec l'armure du Dieu vivant. Ouvre les yeux de nos cœurs. Délivre-nous de la plaisanterie. Et accorde-nous la grâce d'être trouvé sérieux, rigoureux, consistant, diligent. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen, amen. Et en vérité. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce rappel à l'ordre. Merci Père, parce que tu corriges, tu châties tous ceux que tu aimes. Merci pour ta bonté qui nous pousse à la véritable repentance, au véritable changement radical. Merci parce que à travers cette parole, à travers ta présence que tu déverses ici, tu lèves réellement un peuple de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Père, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour cette parole? Alléluia, amen, amen, amen. Merci de bien vouloir prendre place dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième célébration.
Et je rappelle à toutes les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire leur offrande qu'il y a des paniers devant et derrière où vous pouvez faire vos offrandes. Et alors que nous sommes à la fin de ce moment, nous aimerions accueillir toutes les personnes qui sont parmi nous pour la première fois. Donc si vous êtes là à Impact Centre Chrétien aujourd'hui pour la première fois, nous vous demandons de bien vouloir vous tenir debout afin que nous puissions célébrer Dieu.